Et salut à tous, c'est Narev. Je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Spirit of Power. Avant toute chose et sans obligation aucune, sachez que vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification, qui vous informera dès qu'une nouvelle vidéo sortira sur la chaîne, sachant qu'il y a au moins une vidéo par jour. Donc je vous disais, oui, je suis très très heureux de vous retrouver à nouveau sur Spiritfarer, car plus je joue à ce jeu, à te nourrir. Ah oui, c'est vrai que t'es affamé. Donc je vous disais, plus je joue à ce jeu, et plus j'en suis fan. Il est vraiment magnifique. Les possibilités sont juste géniales. Il y a toujours plein, plein, plein de choses à faire. Là, on a débloqué. Oui? Ouais, mais je t'ai pas dit de squatter, de la voler. Qu'est-ce que tu m'as fait? Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on a un nouveau lieu à visiter. Allez, c'est parti. À chaque fois, le jeu, alors déjà, le jeu est juste magnifique. Ça, vous en avez encore l'exemple devant vos yeux. Oui, bon, ça. Oui, ok. C'est vrai qu'on avait ça à faire. D'accord. Donc je vous disais, oui, le jeu déjà est magnifique. Oh, on peut monter comme ça? Ok. Le jeu est magnifique. Il est poétique. À souhait, il y a de l'émotion, il y a de l'aventure, il y a tellement de choses, il y a plein de craft à faire, ça c'est cool. Alors, il faut que je monte. Alors, où ça nous emmène là? Nulle part? D'accord. Je peux rentrer dans cette maison? Non. Je peux rentrer dans celle-là? Non. Ici? Non. D'accord. Alors, Holton, ça semble être fait. Sauf que... Voilà. Ça me semble pas mal. Hop. Il y a un truc ici. Nickel. Je peux monter. Bonjour. Ouais. Plus de bavardage, ok. Ici. Oh, cool. Un chandelier de cristal. D'accord, on prend. Là, il n'y a pas quelque chose pour monter. Non, je sais pas trop haut. On dirait pas. Hop. Ici. Non? Voilà, s'il y avait quelque chose. Je pense qu'il nous manquera sûrement certaines choses. Hop, on va repartir par là. On va réessayer. Ok. Ici, comme ça.
Ok. Ici, on va grimper. Ah oui, je serais trop juste ici, là. Ah, dommage. Non, ça va pas le faire, du coup. Ah, si. Oh, joli. Génial. Oh, c'est fermé, sérieusement? Oh non! Mais pourquoi c'est fermé? Oh non! Bon. Ouais, là par contre c'est pas fermé, donc c'est cool. Ah, mais j'ai pas la possibilité de rebondir. On va descendre tout doucement, voir s'il y a quelque chose. La réponse est non. Tant pis. En tout cas, on sait qu'il y a des possibilités ici. Donc on va repartir. Là, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien non plus ici. Ok. Eh bien, allez, repartons à l'aventure. Ah, quelqu'un va nous parler. Alors, on va déjà lancer le bateau, hein. Où est-ce qu'on voulait aller? Hawksbury. On avait des choses à y faire, il est vrai. Ou bien le parc Amberton. Ah, cruel, cruel dilemme. On va partir pour le dragon d'argent, pour commencer. Ah, c'était toi qui étais là, ok. Alors, gamine, oui. Non, tu veux pas me parler. Qu'est-ce qu'on a comme quête à faire? Construis le concasseur, améliore le cadre, poulet frit, parc, Hawksbury, construis la forge. Ah oui, du coup, est-ce qu'on peut... Non. Planche de frêne, ectoplasme en bouteille, non. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Lingot de zinc. Oui, on pourrait faire ça. Lingot de fer. Planche de frêne. Lingot de pulsar, lingot d'aluminium. On manque d'aluminium? On a que 5? Quelqu'un veut me parler. Bonjour gamine, oui. Ah, c'est ici. Commencez l'événement, oui. C'est un nouveau dragon. Donc le but ici, ça va être de récupérer des minerais d'argent. Très bien. Hop, ça nous en fait 3. On va voir si on peut soigner en plus tous les dragons possibles, ça serait cool. Enfin moi en tout cas, je serais pour. Là il nous manque quelque chose, hein, très clairement. Voilà, merci. Voilà, c'est ça. Hop. Minerai d'argent supplémentaire. On essaiera de le planter d'ailleurs, ce minerai d'argent. Faut qu'il nous rapporte. Ah, raté. Allez, on récupère. Et on retente. Parfait. Ce sur la tête rapporte rien. Ah. Hop.
C'était une nouvelle mécanique. Hop. Donc on a trouvé et sauvé le dragon d'argent. C'est parfait ça. Stella, oui. Alors regarde, grand chapeau, j'ai fait ce que tu m'as dit. Cette maison d'invité est maintenant la chambre de Stanley. Mais elle n'est pas encore prête. J'ai besoin de trouver de beaucoup de choses pour la rendre chouette. Tu m'aides? Je veux dire, peux-tu? Ce serait chouette. J'ai besoin de tissu de lin. Je fais quelque chose, je ne peux pas te dire quoi. C'est un secret. Ouais, tissu de lin. J'en ai plein. Tissu de lin. Tissu de laine, tissu de nébuleuse. Tissu de coton. Ah! Fibre de lin. J'en ai pas fait? Ok. Du tissu de lin. Ok, ça on prend. Toi aussi, t'aurais pas quelque chose pour moi? Non. Et toi? Si, toi t'as besoin d'être nourri. Qu'on va te donner à manger. Oui. Je vais te donner du poisson. D'accord. Si je te donne un homard, quand même. Sérieusement? La bouillabaisse. Ok, il est allergique aux crustacés. Mais c'est pas possible ça. Allez, un curry. Ah, merci. Eh ben. Ah, c'était compliqué cette histoire. Oui, hop, tiens, coupe. Ça s'est fait du coup. Alors, il faut qu'on se déplace. On va venir là. Et le temps qu'on y vienne, on va aller faire un peu de lin. Hop, ici. Fibre de lin. Allez, c'est parti. Ok, apparemment on est arrivé. Waouh, il y a des trucs ici encore. Palourde. On a 3 plongeons à effectuer, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Un charbon, donc ça c'est nul, hein, très clairement. Graines de pommes de terre, bûches de frêne, vieille peinture et du blé. Ok. Donc ça, c'était très bien. Un minerai de fer, bof. Et un minerai d'argent. Ça, c'est bien. Tiens. Hop, oui, je veux que tu redescendes dans l'eau. Voilà. Pour choper les palourdes. Donc ceci étant fait, on va repartir en direction du parc d'Amberton.
Et on va remonter jusque chez notre ami ici pour te donner du lin. Tissu de lin. Oh! Et c'est celui qui est doux. Merci beaucoup, grand chapeau. Tu es la meilleure. Je ne peux pas croire que je suis sur ce bateau. J'ai entendu un goéland tout à l'heure, je crois. C'est si cool. Eh bien, il me semble. C'était peut-être un pigeon, mon estomac qui grondait. Mais si c'était ça, c'était assez génial. Chambre de grand garçon. Ok. Allez, tiens, je vais te donner à manger. Beurre, qu'est-ce que c'est? Il y a des fruits? Ok. Je te donne du poisson. Ah là, t'aimes le poisson. Toi, tu veux pas me parler? Très bien. Non plus. Alors, on va récupérer ça. Est-ce que je sais quoi? Ah! On arrive donc au parc d'Amberton, où c'est justement là que Giovanni nous a demandé d'aller pour récupérer un bouquet de fleurs. Donc on va aller au parc. Ah, il veut venir avec nous? Non, j'ai pas de collation à te donner, ça va, t'as suffisamment mangé ces derniers temps. Allez, on y va. Ah, c'est tellement cool d'avoir des nouveaux lieux. Plein de nouvelles recettes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Plein de choses, on dirait. On va commencer par fouiller. Hop, rien par là. D'accord. Ah, si, bien sûr que si. Hop. Oui, on va plonger. Allez, qu'est-ce que c'est? Une collection de pièces? C'est souvent ça dans l'eau. Non, c'était un anneau précieux. Dans tous les cas. C'est quelque chose qui va nous rapporter de l'argent. Alors. Pourquoi je peux parler à tout le monde ici? Alors, salut. Elle devrait se retrouver là dans le parc. Elle pousse dans le coin. Tu ne peux pas les manquer. Elles sont si magnifiques, Bambina. Le jardinier ici prend vraiment soin. Bien soin des fleurs. C'est bon pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire par... On ne devrait pas. Du vandalisme? Qu'est-ce que tu veux dire par vandalisme, Bambina? De quoi tu parles? Les roses existent pour qu'on les cueille. Et qu'on les offre pour envoûter les princesses. Tu ne crois pas qu'elles méritent ça? Non. C'est assez ça. Ok, c'est assez. Va dans ce parc et cueille des roses. Ok, ok, ok. Je vais y aller. Ok, bon, on s'en fiche hein, de... Ah là là. Et on s'en fiche de vos vies. On est là pour... Ah d'accord, ça c'est l'extérieur. Ah ok, faut le faire à chaque fois. Bon, on va réessayer. D'accord, il n'y avait rien. Bon, ou du moins je n'ai rien vu. On peut rentrer ici. Oh, on a récupéré des bleuets. D'accord. Ah. D'accord. Oh, ça. Ça, c'est peut-être mon nouvel arbre. Oh oui, c'est du frêne. Enfin du frêne. Allez, encore 8.
Bah ouais, va chercher du bois, hein. Ça me dérange pas, moi. Encore du frêne. Ah, et on les voit les roses là. Oui. Ces orbes sont toute ma vie, ce sont les choses vivantes, ils ont des vies, des aspirations, je ne peux pas les abattre. Sale meurtrière. Ok. Je comprends bien, mais j'ai besoin de frêne, hein. Pour tellement de recettes. Hop, il y en a encore ici. Ils vont repousser, t'inquiète pas. Ça repousse toujours. Hop, ça c'est des bleus et encore. Ok. Mais ils sont pas vivants, c'est des arbres. T'inquiète pas. Et hop, les roses. Hop, shopping indiscret. Ça, c'est fait. Alors, donne rose à Giovanni. Allons lui donner les roses. Merci beaucoup, trésor. Je garde ce bouquet. D'accord, retournons sur le bateau. Eh bien, retournons sur le bateau. Allez, dis-nous tout, Giovanni. Ah ah ah! Merci beaucoup, Bambina! Maintenant, j'ai enfin de quoi lui préparer une petite surprise. Oh, ma bien-aimée sautera de joie. Merci, merci beaucoup, tu es de la bombe, tu le sais, hein? Sans jeu de mots. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre du parfum. Et puis voilà, ce sera merveilleux. Oh, mais Bambina, ça me rappelle que j'ai ce truc brillant. Je devais te le donner plus tôt, mais j'étais perdu dans mes pensées. Et aussi, j'ai un peu oublié. Prends-le, tu le mérites. Et je n'ai pas la moindre idée de ce que ça fait. Oh, c'est une obole. Oh, génial. Une obole. Parce que normalement. Alors, déjà, hop, tiens, on va récupérer ça. Les oboles, j'en ai deux. Et avec deux. Et avec deux, on pourrait avoir une nouvelle habilité. Quelque chose ne va pas, je le sens au fond de moi. Écoute, pour être certaine, peux-tu chercher mon mari sur le bateau? Surtout la nuit. Je l'apprécie, mais. Si Stella. Doute raisonnable. Suis-je Giovanni pendant la nuit? Ok. Doute raisonnable. La quête a progressé. Parle à Astrid le matin suivant. Alors, s'il fait trop nuit, du coup, ce qu'on va faire jusqu'au lendemain, ouais. On ira également parler à Stanley. Je crois qu'on a aussi un mouton à tondre. Et effectivement, on a un mouton à tondre. Ce que je voudrais regarder également, construire. Alors, pour le corral à mouton, ok, on est bon. Pour le concasseur, il nous manque les planches de frêne. Parfait, on a de quoi faire. Et ça, salle de jeu de Stanley. A transformé la maison d'invité en sa propre petite maison dans l'arbre. Ok. Et par contre, je pourrais reconstruire une maison d'invité. Ok. Alors, on va commencer par ça. Le mouton. Salut le mouton. C'est l'heure de la tonte. Parfait. Bonjour, oui. Ouais, le manque de nourriture. Ouais, tout ça, tout ça. Il manque quelque chose à cet endroit. Oh, je sais. On a besoin de décorations de luxe. J'ai besoin d'un truc génial, d'un trésor. Quelque chose de brillant et de dispendieux.
Une babiole peut-être. N'importe quoi, un cadeau. S'il te plaît, grand chapeau. Alors. Donne à une vieille babiole. C'est parfait, c'est la touche finale de mon chef-d'œuvre, ma chambre secrète super spéciale. Ça peut paraître étrange, mais elle cache plusieurs passages secrets et d'autres trucs cool. C'est ma maison maintenant. Ne t'inquiète pas, je vais nettoyer tout ce truc dans les fenêtres. Ce qui me rappelle qu'il y a un scarabée fantôme ici qui se cache sous ton sofa. Tu ne l'as probablement pas remarqué, les scarabées fantômes sont très bons pour se cacher. Mais c'est mon ami maintenant, et il s'appelle Jacob. Il m'a dit qu'il peut voir ce que les autres ne peuvent pas. Jacob est cool, il a des super pouvoirs. Peut-être un jour, je vais te laisser jouer avec lui. Ok. Requête complétée. Faut qu'on parle à Astrid maintenant. Ouais. Oui. Tiens, prends une pomme. Oui, c'est que je vous ai pas réveillé. Allez, tout le monde se réveille. Et qu'est-ce que c'est que ça? Salut. Où était-il? Où était ce salaud l'année dernière? Il n'a clairement pas dormi dans son lit. C'était là, c'est exactement ce que je redoutais. Je savais que ce n'était pas seulement le fruit de mon imagination. Quelque chose n'allait pas. Aussi, une lettre est arrivée pour lui. Je n'ai pas voulu l'ouvrir. Voici, Lila. S'il te plaît, vas-y. Enquête pour moi. Suis-le. Merci beaucoup, Stella. Oh, sérieusement, lis la lettre mystérieuse. J'ai pas envie. C'est écrit dessus à Giovanni. Giovanni, mon cher, j'ai soif de ton rugissement. Chaque jour sans toi est une torture. Rejoins-moi au crépuscule, je t'attendrai à ma maison d'Oxbury. Ta seule et unique Jennifer. Mais il est sérieux, le gars? Rends-toi à Uxbury. Ouais, tu m'en dis pas, bah t'attendras. Pas d'humeur, là. Oh, tellement de choses. Alors ça, je suis pas sûr. Edgeboro Lane. Preuve d'achat vache. Graines d'olive, graines de canne à sucre. Ça, c'est des pulsars. On va aller là. C'est quoi ce truc? Pétoncle géant. Ok. On a récupéré plein de choses. C'est cool. On a des choses à planter, cela dit. On a les corals à faire. T'as des planches? Planches de frêne. Ok. Construire. Alors déjà, non, on peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut pas faire. On peut faire le concasseur, cependant, ce qui est déjà une bonne chose. Cependant, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve après. Allez, je termine l'ellipse simplement pour vous dire qu'en fait ici c'est une pluie de comètes et non pas de pulsars. Donc on ne peut pas encore récupérer ça. Mais c'est bon à savoir que ce sera là. J'en ai profité aussi pour planter des laitues, des choux et des patates. Et au-dessus, j'en ai profité pour planter du blé. Et on verra ce qu'on peut faire avec tout ça.
Normalement, on devrait avancer. Pourquoi on n'avance pas? Allez, choisir une destination. Mais c'est pas la nuit, hein. On dirait qu'on avance, mais très très lentement. On va voir s'il y a quelque chose ici à pêcher. On a eu un flet, d'accord. Ouh, je sais pas ce que c'est ça. Non, en tout cas, ma canne à pêche en l'état ne suffisait pas. On va retenter, hein. Une sèche. Ok. C'est des nouvelles choses, hein. C'est un flet. Pourquoi on avance toujours pas là ou bien? Non. Allez, tiens. Fais demi-tour par là. C'est une pute comète. Comme c'est beau, c'est seulement moyennement dangereux. Oui, évidemment, tu peux perdre un membre de mais. Qu'est-ce qu'une plaie en plein visage devant une telle splendeur? La douleur physique. Qu'en dis-tu? Ok. Je veux bien, mais comment on fait ça? Ah d'accord. Ok, c'est comme ça qu'on les récupère. Franchement, c'est cool. Hein. Ce jeu est toujours plein de surprises. En plus, genre, ça paye pas mal. Hein. On en récupère beaucoup. Hein. Ok. Et en plus, j'aurais gagné 2900 balles. Eh, vas-y, vas-y, toi. Dégage de là. Ouais, je vais te nourrir. Parce que sinon, tu vas aller bouffer toutes mes plantes, là. Je veux pas que tu bouffes mes plantes. Voyons donc. Donc, ouais, on va pas le refaire, mon bon ami. Allez, les éclairs. Ok. Ouais, c'est qu'il y avait dû avoir un petit bug. Allez, on va à Uxbury. En espérant y être rapidement. Hop, ici on va arroser.
Du lin, tout est sec. Ah, le blé. Ce sera nos premiers épis de blé, c'est cool. Nos premiers épis de blé, nos premières pommes de terre. Est-ce qu'il y a des choses à faire avec les trucs de comète? Un chalet d'Alice. Alors, oui, c'était là-dedans. Ok, ici. Lingot de cuivre. Planche de frêne. Planche de frêne, oui. Aluminium marbre. Verger. On a tout déjà. Hein. Et on arrive à Uxbury. Salle de jeu de Stanley. On va falloir qu'on refasse une maison des invités. On a également 39 000, ce qui nous permettrait d'agrandir une fois de plus notre bateau. Rendez-vous indiscret. Alors, construit le concasseur, ok, le cadre. Suit Giovanni à Hawkesbury. Et trouve le partenaire menuisier. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vous dis ça, mais le problème, vous vous en doutez, vous avez vu le timecode. Cette vidéo a déjà beaucoup trop duré. L'exploration d'Hawkesbury sera donc pour la prochaine vidéo. Cependant, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce jeu vous passionne toujours autant à regarder que moi à le tourner. N'oubliez pas le clap, commenter, liker, vous abonner, partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez, mes amis, le partage, c'est la vie. Allez, ciao, bye bye.